face à la menace de grève lancée par les principales centrales syndicales du Gabon concernant la réforme du Code du travail. La ministre de la fonction publique, Madeleine Bert, a tenu une conférence de presse ce mardi 21 janvier 2020 dans les locaux du ministère. La ministre s'est dite surprise car en effet, la fâcheuse réforme n'a réellement pas encore été adoptée. Cette menace de grève nationale, qui est considérée comme une grève, un préavis de grève d'avertissement, nous ne comprenons pas parce que nous n'avons pas été au bout de la finalisation de ce travail. Nous ne sommes pas arrivés au début même du processus, nous ne sommes qu'à la phase de rédaction. Nous avons donc été un peu surpris de voir que nos partenaires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, de communiquer, nous ont effectivement produit cette menace de grève nationale. Pour les syndicalistes, cette réforme est capitaliste et esclavagiste. Épuisée, elle ne tient pas compte des amendements qu'ils ont apportés depuis le début du processus. Nous aimerions bien savoir quels sont les articles qui sont considérés comme esclavagistes, parce que nous n'avons pas le souvenir que les partenaires sociaux qui nous ont remis ce document à la fin de nos travaux n'ont jamais émis une seule ligne concernant un propos ou une disposition esclavagiste. Quels sont donc les enjeux de cette fâcheuse réforme ? Cette réforme va ouvrir toute une palette de formes contractuelles adaptées. Donc il va faire quoi ? Encourager l'entreprise à recruter au lieu d'utiliser une forme contractuelle à durée déterminée de manière plus ou moins abusive. Donc ça, c'est quand même les enjeux de cette réforme. En ce qui concerne également les procédures, les cas de suspension, nous avons justement limité et recadré le chômage technique en prévoyant une limitation dans le temps, 6 mois, et une allocation, le principe d'une allocation de chômage technique qui n'existait pas jusqu'à présent. La ministre a tenu à rassurer les travailleurs sur la volonté du gouvernement d'améliorer leurs conditions de travail. Je délivre un message de paix aux travailleurs, un message de confiance, un message où le gouvernement, par ma voix, leur dit « rassurez-vous ». Le maintien de vos emplois est au cœur de nos préoccupations. L'accroissement des emplois est au cœur de nos préoccupations. Nous n'avons pas besoin de précariser les emplois parce que la feuille de route du gouvernement, c'est d'accroître les emplois. Et nous avons pleinement conscience du privilège aujourd'hui d'avoir la qualité de travailleur. Dans un contexte difficile où les emplois parfois sont supprimés, nous demandons aux travailleurs d'être sereins, d'être tranquilles. Dans son processus de mise en œuvre, la réforme du Code du travail fera une fois de plus l'objet de concertations telles que le requièrent les normes du Code du travail, a précisé Madame la ministre Madeleine Bert.